Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit débardeur de 3 à 6 mois. Ça dépend de l'enfant. S'il est plus mince ou moins mince, c'est à vous de l'essayer. Et avec de la laine 2, 3, 4, blanc et jaune, crochet 5. On va commencer par blanc. Une chaînette de ah, ça électrique là, 29 mailles. Donc 29 mailles, 1, 2, 3. Voilà la petite chaînette de 29 mailles. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air et on va piquer dans la deuxième maille en faisant une maille serrée. Une, on recommence, deux, dans la deuxième on pique et on fait une maille serrée. Ça nous fait des petits arceaux. Une, deux, et on pique dans la deuxième en faisant une maille serrée. Alors, une, deux, on pique dans la deuxième, on fait une maille serrée. Et on va jusqu'au bout de la ligne. Voilà, on arrive à la fin du tour. Donc là, il en reste une ou deux. Donc on les fera après. C'est simple à défaire. Je préfère toujours en mettre une ou deux de plus. On va laisser le blanc de côté. On va prendre du jaune en faisant une grande boucle pour pas la perdre. On va prendre de la laine jaune. Faut faire attention là. Dans la maille, la première maille en l'air qu'on a fait, on pique. On va mettre le jaune. On laisse un petit bout. On le tricote avec. Donc là, c'est la jaune. La boucle, on la laisse pour après. On va s'occuper du jaune. On va faire une maille coulée. Une maille coulée dans le petit arceau. Deux mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et on va refaire une bride dans l'arceau. Donc, dans l'arceau suivant, on refait deux brides. Dans l'arceau suivant, on fait deux brides. Une maille en l'air. On pique, on ramène une boucle, une maille à jeter, deux points à jeter, on prend deux points. Et on fait ça jusqu'au bout. Deux brides dans chacun nous. La rangée de jaune est terminée. C'était jusqu'au bout. Donc, on a 28 brides. La boucle, on la coupe pas, on la laisse et on va rejoindre, on va reprendre quoi, la blanche où qu'on avait laissé une boucle, on la rentre bien dans le crochet et pour venir jusque là, faut faire dans la première des mailles de la bride, faire une maille coulée. Voyez sur le côté là.
2 mailles coulées. Et ensuite, on va dans l'arceau, au milieu des deux brides, dans le trou au milieu. On fait une maille coulée encore. Comme ça, on arrive à la hauteur. Maintenant, on fait une, deux, comme le premier tour. Et dans chaque trou, pas dans les trous des brides, entre les brides, on va faire une maille serrée. Alors, une, deux mailles en l'air, et hop, une maille serrée dans le trou, après les deux brides. Une, deux, une, deux, dans le trou, et on se rejoint à la fin. Voilà, je vais vous montrer la fin, comment qu'on fait. J'ai fait deux mailles en l'air, et là, comme c'est la dernière maille, on va faire une maille serrée en dessous de la boucle, pour faire bien tenir, tout en faisant attention à la boucle jaune qu'elle s'en va pas. Voilà, là c'est fait, ça tient. On reprend le fil jaune, ceci, et pour arriver au blanc, on va faire comme tout à l'heure. Sur le côté, une maille coulée, deux mailles coulées dans la bride, les trois mailles en l'air du rang précédent, deux mailles coulées, maintenant, on va faire une maille coulée dans l'arceau, comme tout à l'heure. Voilà, maintenant que c'est arrivé le jaune dans l'arceau, on va faire deux mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et on refait une bride dans le même trou. Un jeté et on va dans l'arceau. Une, deux, voilà ce que ça fait. Donc, on va continuer jusqu'au bout, tout en faisant attention de ne pas se tromper aux extrémités. Et on se rejoint à la ligne. La rangée est terminée. Donc, comme tout à l'heure, on laisse la boucle ici. On va rechercher de l'autre côté la blanche et on refait maille coulée, c'est pas facile à, pour arriver au jaune, sur les côtés une maille coulée, là sur la deuxième, comme ceci. Hop, ça y est, on fait deux mailles en l'air, on pique dans le trou, donc ça fait un arceau, c'est pas facile dans le coin, mais ça va aller. Un, deux, on pique dans le trou, après les deux brides, une, deux, voilà, une, deux, voilà, ça commence à voir ce qu'on veut faire, une, deux, on va jusqu'au bout, deux, une, deux,
deux. Deux. Un trou. On arrive à la fin. Une, deux. Pique. Là. Un petit bout journal ici. Donc, ici, il faut faire une, deux mailles en l'air. Et aller piquer en dessous de la boucle. Et on fait une maille serrée. On laisse la boucle, on reprend la jaune. Faire attention que la boucle la fait plus grande comme ça. On reprend la jaune, resserre bien, on fait une maille coulée dans le blanc sur le côté. Non, il est trop large là. Après pour coude, ça va pas. Je resserre. Une maille coulée. Une maille coulée dans le rond. Donc, comme on est arrivé dans le rond, qu'on doit faire deux brides, on fait deux mailles en l'air qui comptent pour une bride. On refait une bride. Et l'arceau suivant, deux brides. Et vous continuez toujours comme ça. Blanc, jaune, blanc, jaune. Je vais vous dire combien de rangées qu'il faut faire. Écoutez, 2, 3, 4, 5, 6, 15 rangées, toujours comme ça, pour le dos. Donc là j'en ai fait 2, la troisième, faut en faire, bon là 2, faut encore en faire 13. Voici le dos terminé. Là, j'ai mis un petit repère pour que je vous montrerai après pour les emmanchures. Donc, 14 rangées. Maintenant, on va faire pareil, 14 rangées. Mais au lieu de faire un carré de 14 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le devant, vous allez faire exactement le même, mais vous allez arrêter à la 12e rangée d'auteur. Et on se rejoindra après. Voilà. On est arrivé à la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e rangée. On arrête au jaune. On prend le blanc. Et là, on va commencer les épaules. Donc, le blanc. 1, 2. On enlève. On fait une maille serrée dans le trou, deux mailles en l'air, on fait comme en dessous, hein. 4, 6, je crois qu'il faut 8, côté. Donc, c'est le même principe qu'en bas, on laisse la boucle, on va prendre du jaune, on va venir le lier en dessous de la boucle,
comme ceci. Un petit nœud. Voilà, maintenant on va s'occuper du jaune, donc la boucle blanche, on la laisse. Et propre. Ah, c'est pas facile avec les morceaux. Faire une maille coulée sur le côté. Jaune, deux, un, deux, on va dans l'arceau, on fait une maille coulée, hop, voici, donc on est dans l'arceau, on fait deux mailles en l'air qui sert comme une bride, on refait une deuxième, on va dans l'arceau suivant, ça. On arrive presque à la fin, une, deux, une et deux. Donc, deux, quatre, six, huit, quatre, six, deux, quatre, six, il y a toi qui va pas. 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 20. Ah oui, 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 d'accord. Mais c'est le dessin. Donc on doit faire 2, 4, 6, 8 motifs. Donc on reprend le jaune. Enfin, le blanc, pardon, on resserre bien la boucle avec le nœud, elle est bloquée. On va enlever ce nœud. Voilà, j'espère que ça va aller. Bon, pas grave, on rentrera tout ça. On va faire les mailles coulées sur le côté. Une, deux, trois, et là on va refaire comme en dessous, deux mailles en l'air, on pique dans le trou, deux mailles en l'air, on pique dans le trou, deux mailles en l'air, on pique dans le trou, deux mailles en l'air, et on va piquer en dessous de la boucle ici. Là, ça fait, là ça c'est, on va rentrer ça. Combien de rangées? Deux, il en faudra un, deux, trois. Donc on va continuer.
On en laisse couler. Une maille coulée dans le trou. Deux mailles en l'air qui compte pour une bride. Et voilà la deuxième. Deux dans l'arceau suivant. Deux. Et les deux derniers. Voici. Deux. Vous allez en faire une rangée. Et il faudra faire le même de l'autre côté. Avec le même nombre de 4, 6, 8 motifs. À tout de suite. Voici le devant terminé. Vous avez fait 1, 2, 3, 4 motifs comme je vous ai montré. Et 1, 2, 3 rangées pour l'encolure. L'autre côté pareil. 1, 2, 3, 4, 3 rangées. Donc là ça va être l'encolure. C'est un petit débardeur tout simple, mais j'aime bien le point. Maintenant je vais vous montrer bon, le dos, le devant. Je vais vous montrer le dos. Je fais un petit repère. Là, ça sera pour passer les bras. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8. La huitième, vous mettez un petit repère. Donc, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un petit repère. Je vais passer bien droit, 8, ouais, comme ça. Donc, je vais vous montrer que ça va faire des petits dessins au bord. Ça, c'est la laine jaune et blanc. Donc, il faudra bien coudre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous rassemblez, un petit nœud, donc pour coudre, vous allez coudre, comme ça fait des petits dessins avec le point. Vous allez coudre comme ça. Vous allez tout doucement, bien serré. Comme ça, ce sera bien droit. Vous cousez au-dessus la petite bosse ici. Voilà, vous allez jusqu'au bout et on se retrouve après. Voilà, la couture est terminée de coudre. Évidemment, l'autre côté pareil. Les épaules que je vous montre, j'en ai cousu une, mais de l'emmanchure à l'encolure, il faut laisser deux motifs, enfin quatre brides. Il ne faut pas coudre. L'autre côté pareil. Et vous cousez cette partie-là dans chaque maille jusqu'au bout. Bien serré. Hop.
maintenant, je vais le retourner. Vous allez voir les coutures, on voit rien. Ceci. Là, on va s'occuper des emmanchures. On va prendre du blanc ou du jaune pour faire la finition. Je vais prendre du blanc. Après, vous ferez ce que vous voulez. Donc, ici, la manchure. Je prends ma laine blanche. Je pique ici, en haut de la couture là, en dessous des bras. Voilà. On fait un petit nœud qu'on va rentrer tout de suite. Et on va faire deux tours de mailles serrées. Dans chaque maille, une maille en l'air. Dans chaque maille, une maille serrée. En même temps, je rentre le petit fil. Une maille serrée. Une maille serrée. Et vous faites ça tout le tour de l'emmanchure, puis une deuxième rangée. Et on se retrouve après. Voilà, les emmanchures sont terminées. J'ai fait deux tours de maille serrée. Maintenant, on va faire deux tours de maille serrée à l'encolure. Même les petits bouts qu'on a laissés pour mettre des boutons après. On fait tout le tour, deux tours de mailles serrées. À tout de suite. Voilà, l'encolure est terminée. J'ai posé deux petits boutons ici. C'est pour ça que j'avais fait l'ouverture là. Et avec une bride, ça rentre tout seul. Alors, voilà. J'espère qu'il vous plaira. Donc, c'est de 3 à 6 mois. Donc, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. À bientôt.